Mes chers amis, bonsoir, bonsoir. Dans mon live, comme tous les soirs, euh, j'espère que vous êtes Gilet Jaune, et si vous ne l'êtes pas, il faut absolument en être. Vous aussi, vous pouvez devenir Gaulois. C'est un état d'esprit, vous savez. Euh, ce que nous vivons, hein, de toute façon, toute l'histoire de l'humanité, c'est des boucles qui se répètent. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la révolte des esclaves contre Spartacus. C'est euh, ce tout petit village de Gaulois encerclé par l'Empire total romain. Voilà mes chers amis, nous sommes des Gaulois. Les Gilets jaunes sans des gaulois. Rejoignez. Rejoignez les rangs. Donc les samedis jaunes, vous mettez votre gilet jaune par-dessus votre tenue. Vous vivez normalement. Il ne faut, faut pas aller forcément sur aucun terrain d'orchestration médiatique. Hein. Vous leur laissez. Vous leur laissez à chaque fois l'endroit qu'ils auront choisi, si c'est la place de la République. Euh, les Champs-Élysées, Bastille, peu importe, même si c'est Bordeaux ou ailleurs. Mais vous mettez fièrement votre gilet jaune toute la journée du samedi. Vous vous obligez à sortir si vous n'avez rien prévu d'urgent à la maison. Et vous vivez normalement. C'est ce qu'il faut faire contre le terrorisme. Vous vivez normalement pour montrer que vous n'avez pas peur de circuler avec un gilet jaune sur le dos. Vous ne faites rien de mal. Vous ne faites pas forcément une manifestation non déclarée. Vous y vivez normalement. Si vous vous faites arrêter, vous dites ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire. Rejoindre le, le, le bar-tabac, ou rejoindre votre famille, ou aller au restaurant, ou aller faire vos courses. Les magasins sont fermés samedi, ou aller faire du shopping. Il y a mille et une raisons pour sortir de chez soi. Hein. Voilà, tout simplement. Et en plus des samedis jeunes qui sont une réussite et qui font que ce mouvement est, euh, est un cas d'école. Est unique dans l'histoire des révolutions modernes de par le fait qu'il dure dans le temps que euh, il gagne des, dans l'opinion euh, de nouveau de plus en plus euh, de nouveaux euh, indécis Et euh, qu'il n'arrive, et que ce mouvement évite jusqu'à présent le débranchement par le système, euh, malgré que le système ne manque pas d'acteurs et d'actrices pour euh, faire croire à des faux prophètes qui, en réalité, sont des agents du système. Hein. Le système euh, ne fait pas forcément un contrat de travail, hein, mais vous pouvez considérer que euh, il y a euh, la franc-maçonnerie, il y a les services secrets, il y a différents acteurs. Les services secrets, euh, c'est tellement euh, pervers que l'identification précise. Euh, des drapeaux et des pays est extrêmement difficile. Euh, les services secrets marocains, qui sont extrêmement actifs en France, et on le voit au travers de Benalla, sont en réalité une des façades du Mossad. Qu'ils ont les services secrets israéliens, qui sont en réalité. Euh, Israël est une base militaire américaine. Vous voyez, euh, suivre le fil devient très complexe, mais au final, pour simplifier, euh, on arrive toujours à la même logique. Je vous ai dit, le nombre 2 dans notre monde, dans notre monde euh, physique et matériel, le nombre 2 est euh, fondamental. Euh, le soleil et la lune, le chaud et le froid, l'eau et le feu, la femme et l'homme, enfin, et ainsi de suite, on peut aller très très loin. Et là, euh, les blocs contre blocs, vous ne pouvez pas avoir, euh, peu importe le conflit, les guerres, vous ne pouvez pas avoir plus de deux blocs à la fin. Par un jeu d'alliance, on arrive toujours au chiffre 2. Donc là, euh, bah c'est le même bloc, c'est le bloc de l'OTAN, donc le bloc de l'Occident, en tête desquels les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, mais aussi Israël, le Maroc, l'Arabie saoudite et bien d'autres. Face au bloc soviétique, pour faire large, l'ancienne Union soviétique, diminuée bien entendu de plusieurs, euh, on va dire, Territoires comme la moitié de, de l'Ukraine et quelques autres territoires. La Géorgie aussi. Géorgie présidée, euh, ça s'est fait tout récemment donc, euh, par une présidente élue qui a été euh, ambassadrice française en Géorgie. C'est un comble, c'est un comble. Et donc qui a été nommée à l'époque ambassadrice par un certain Nicolas Sarkozy qui est parti en nom de la France, chargé par Emmanuel Macron, euh, l'introniser lorsqu'elle a été élue. Euh, donc voilà, ce bloc-là, euh, il englobe aussi un, une très 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 grande force, un très très grand, euh, très grande armée, un très grand pays qui est la Chine. Donc c'est très important de comprendre ce qui se joue dans notre pays. Euh, c'est extrêmement important, c'est extrêmement grave. Euh, il s'agit de libérer notre pays euh, une bonne fois pour toutes de forces extérieures et étrangères. Il s'agit de reprendre notre souveraineté le pays est infiltré de partout y compris vous le voyez y compris euh, dans l'intimité même de, de, de l'Elysée au travers donc d'un certain Benalla et euh, il faut lutter contre le projet de créer donc une comment dire un un commandement indépendant euh, des services de police et des services de gendarmerie qui obéirait directement au président et qui chapeauterait le tout. Il s'agit d'à peu près une soixantaine donc d'agents et euh, il y a actuellement donc des luttes de pouvoir diverses. Chacun, bien entendu, avec ses propres visions, pour empêcher que cela n'arrive, malgré que, encore une fois, nous sommes très, très infiltrés. Au travers des diverses orchestrations de soi-disant euh, gilets jaunes euh, blessés qui deviennent d'un coup des héros et d'autres diverses orchestrations que vous savez, que je vous dénonce, que d'autres dénoncent, que vous parfois vous percevez avec votre œil qui devient de plus en plus averti, comme les diverses attentats. Et Christchurch n'y échappe pas, les attentats que nous avons subis en France n'y échappent pas. Les attentats des États-Unis, non plus. Le 11 septembre, c'est un énorme false flag. C'est un énorme coup politique mondial, avec des fins diverses et qui ont été toutes atteintes. En premier chef desquels les diverses pays cassés. le prétexte de la vengeance mais pas que il y a eu aussi de gigantesques mouvements euh, de fonds financiers d'argent et euh, que ne, nous n'en saurons jamais finalement qui sont les réels destinataires, parce que toutes les enquêtes ont été arrêtées. Voilà mes amis. Je vais voir si je suis toujours connecté. Très bien. Donc là, je vais traverser très rapidement euh, quelques actualités que j'ai retenues. Je vais essayer d'aller au plus vite possible. Donc, je vous rappelle, il y a nos samedis jeunes, les différents actes, ce, ces samedis jeunes qu'on a récupérés, euh, que la, les humains, les Gaulois, les Français, les dissidents ont récupéré, malgré que ce soit le système qui les a euh, initiés et que, qui devait durer un, une. Un certain temps très court, mais qui aujourd'hui vous le voyez bien, ça dépasse, ça les dépasse et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc, il y a ces samedis jaunes qui sont très importants, mais il y a aussi l'initiative que je vous ai donnée qui est aussi très très importante parce que ça amènera de nouveaux convertis et ça encouragera d'autres et ça vous poussera à devenir acteur et créateur. Créateur donc dans la matrice. Et comme ça, vous luttez contre ceux qui en permanence pervertissent la matrice, créent des bugs et essayent de euh, créer de la zizanie, de la division, avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Donc, en quoi consistent ces minutes jaunes C'est tous les jours, sans exception. Vous préparez, vous mettez le réveil sur vos smartphones, comme ça, ça sonne tous les jours à 13h. Ce chiffre 13 est très détesté par les Templiers et la franc-maçonnerie. Et donc, tous les jours, peu importe l'endroit où vous serez, à la cantine, dans une dans un fast food dehors en train de marcher euh, surtout c'est très important dans une rame de métro bombée dans une rame de métro tout simplement dans les transports dans un train c'est important que vous devant tout le monde vous prenez vous preniez votre courage à deux mains vous vous euh, sentiez gaulois vaillant et vaillante. Bien entendu, tous les termes que j'utilise sont valables aussi bien pour les femmes que les hommes que les LGBT. Vous mettiez votre gilet jaune fièrement pendant une minute et ensuite vous l'enlevez, vous le pliez, vous le rangez de là où vous l'avez sorti. Et ce geste interrogera les autres et les encouragera parce qu'ils l'ont vu une fois, deux fois, les encouragera à en faire de même les jours suivants. Et nous aurons une formidable contamination créatrice, positive, humaine. Pour contrer ce système inhumain. Négatif et destructeur. Voilà mes chers amis, c'est important que quelques-uns, plusieurs d'entre vous puissent agir, ce qui lancera un effet d'entraînement sur plein d'autres. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez Bon, ben, il y a un ensemble de choses. Que, qui m'aiderait, mais cette, cette minute jeune, elle est totalement gratuite et franchement, elle ne coûte pas euh, cher en, euh, en investissement personnel. Plutôt que de vouloir prendre des armes ou quelques gestes extrêmes, mettez ce gilet jaune, même si vous n'aimez pas vous exhiber en public, même si vous n'avez pas une facilité à prendre de telles initiatives face tout seul et face à des personnes euh, que vous ne connaissez pas, même si vous les connaissez eh bien, ça vaut tout autant que de se battre comme vous voyez dans les films et à la télé. Et vous serez un héros. Parce que le combat, ça ne se fera pas et ne se fait pas avec des têtes nucléaires. Le combat, c'est un combat d'opinion et de contamination de la masse du peuple qui dort de la contamination par l'éveil. C'est le combat et politique. Et tous ceux qui vous disent qu'ils euh, sont apolitiques ou que les Gilets jaunes doivent rester apolitiques, ce sont tout simplement des contre-révolutionnaires et des gens qui euh, manquent cruellement d'analyse, de recul et de... Culture, tout simplement. Donc, nous sommes politiques et euh, nous le deviendrons de plus en plus. Nous devons nous structurer et je ferai en sorte pour moi-même euh, de créer des structurations. Et ensuite viendront les autres étapes. Tout est stratégie, mes chers amis. Les autres étapes, bien entendu, à un moment donné, une fois qu'on qu se sera un peu mieux structuré, nous lancerons les appels au ralliement, aux différentes forces, les forces de l'ordre, dans leur diversité, les fonctionnaires, tout le monde. Et à ce moment-là... Les choses seront claires, soit vous ralliez le peuple, soit vous serez considéré comme complice. Mais pour l'instant, il est trop tôt et il serait totalement suicidaire et inconscient pour n'importe quel euh, fonctionnaire ou force de l'ordre en exercice de rallier le mouvement parce que tout simplement on le, ils vont lui faire la peau. Si le mouvement n'est ne pas à la base organisé, parce que le système pousse à ce que euh, le mouvement demeure désorganisé et que ils suivent des revendications purement, euh, pour au minimum inutiles, voire désastreuses et contre révolutionnaires, comme le RIC, tout ce qui est blocage, grève, grève générale, la destitution de Macron, et il y en a plein d'autres subterfuges pour euh, emmener la révolution là où elle ne doit pas aller et arriver à la salir, à la décrédibiliser et réaliser certains plans macabres comme justifier une intervention militaire étrangère. Donc voilà, ces choses-là, euh, il faut en avoir conscience. Et tous ceux qui vous poussent à la confrontation avec les forces de l'ordre, ces gens-là sont tout simplement répugnants et euh, c'est des contre-révolutionnaires. Voilà mes chers amis. Après euh, cette petite introduction, je vais essayer d'enchaîner donc les sujets. Euh, alors un petit mot euh, donc sur cette septuagénaire donc euh, je vous ai expliqué hein, que encore ce qui s'annonce être une orchestration parce que ce ce qui est arrivé à cette septuagénaire rappelle beaucoup euh, d'autres événements en tête desquels euh, ce qui est arrivé, soi-disant, à un certain Jérôme Rodrigue, mais pas que. Hein. Plein d'orchestration. Euh, ça rappelle aussi euh, donc euh, l'orchestration à double reprise. Il l'ont refait. Hein, de la voiture de police. Euh, alors lors de Nuit debout qui a été euh, caillassée et incendiée. Cette fois-ci, de la même manière, elle a été caillassée mais pas incendiée. Je l'ai démontré, allez voir la vidéo. C'est que de l'orchestration. C'est même trop visible et trop risible si ce n'était pas sérieux. Donc voilà. Cette femme qui ressemble <laughs> étrangement à Jacqueline Sauvage. Euh, vous voyez bien, là on, on essaie d'introduire euh, le thème LGBT pour un, encore plus semer la zizanie. Voilà que nous avons cette faux prophète LGBT. Là qu'est-ce qui manque Il faudrait euh, laisser les thèmes. Là j'essaie de chercher les thèmes habituels du système. Il faudrait une faux prophète euh, euh, prophétesse. Une faux prophétesse euh, euh, féministe. Il faudrait un faux prophète euh, policier. Vous savez, euh, ils peuvent, ils sont capables de tout. Hein. Un policier tabassé par des par ses confrères. Euh, il faudrait un faux prophète pompier. Hein. Et le système adore jouer avec les pompiers. Ah oui, les enseignants aussi. Il faudrait qu'une enseignante. Ce que veut. Ils adorent les, les, instrumentaliser les femmes. Une, enseigne, une enseignante se fasse tabasser, euh, peut-être même à la vue de ses élèves. Euh, voilà, le système est extrêmement pervers hein, dans ces orchestrations. Et donc là, euh, nous apprenons, et ce qui confirme donc... Euh, mon intuition, nous apprenons donc que une enquête a été ouverte pour connaître les causes des blessures de Geneviève Leguet et le procureur de Nice a mis hors de cause les forces de l'ordre dans la chute de la manifestante. Et ça devrait vous rappeler comment le Castaner et le système de façon générale. A été obsédé par le fait de dire qu'ils n'ont rien fait à Jérôme Rodrigue. Si on regarde, euh, je vais dire, si on a une deuxième lecture, effectivement, ils ont raison. Ils n'ont rien fait à Jérôme Rodrigue, tout simplement, parce que ils savent euh, que c'est une orchestration et ils peuvent jouer ce jeu-là de la négation, euh, je vais dire, et de l'autre côté, les soutiens. Le, enfin, Jérôme Rodrigue lui-même jouait le jeu de, euh, de la recherche de, de soi-disant vérité. Voilà, le système tient comme ça avec... Euh, il fabrique ses propres camps. Le camp euh, de ceux qui défendent le système et le camp euh, de soi-disant ceux qui défendent les actrices et les acteurs du système. C'est un piège sans fin. Et donc, là, vous voyez bien, il y a eu aujourd'hui une manifestation de soutien à cette pseudo-manifestante. Et on vous prépare la suite, c'est qu'on essaie de vous canaliser dans de fausses manifestations, bien entendu, toujours dans le même but, pour reprendre le mouvement des gilets jaunes et que vous soyez en train de à chaque fois manifester et vous battre pour des faux problèmes. Comme au début, c'était complètement hors sujet de se battre pour faire baisser l'essence. Il faut bien entendu se battre contre la cherté de la vie et pour le pouvoir d'achat, mais c'est j'ai dire c'est pas... Euh, hiérarchiquement parlant, ce n'est pas l'objectif number one. Il y a plein d'autres objectifs beaucoup plus humains, beaucoup plus urgents, comme la lutte contre la pédocriminalité, pédocrim comme la lutte contre la corruption généralisée dans notre pays par la franc-maçonnerie et aussi l'infiltration totale de notre pays par euh, les services secrets étrangers. Il y a Urgence à arrêter immédiatement les guerres que nous menons partout dans le monde, et ainsi de suite. La liste des revendications, vous la trouvez en fin de chacune de mes publications, et nous pouvons en rajouter d'autres. Alors regardez, voilà ce que le système a préparé, ou alors, si c'est pas le système, euh, les idiots utiles, voilà ce qu'ils ont préparé. Non, là, c'est le système parce que c'est signé attaque en bas. C'est signé attaque. Donc, ils veulent vous emmener euh, demain, place de la République, 18h. Et ça m'étonnerait que vous puissiez, donc, demain, 18h, circuler comme vous voulez, place de la République, parce que, bien entendu, que les caméras et les merdias seront là, et donc, on mettra des barrières. Enfin, ils se débrouilleront pour euh, ne pas laisser les éléments... Les plus, on va dire, les plus dérangeants pour le système, les vrais dissidents, allaient euh, montrer leur pancarte et s'exprimer devant les merdias. Essayez si vous voulez, mais euh, vous ne pourrez pas montrer votre carton. Euh, euh, la franc-maçonnerie doit. Respecter la laïcité ou des, des, des revendications comme ça. Arrêt immédiat des guerres. Où vous n'aurez aucune chance d'aller devant les caméras euh, montrer ce type de carton. Alors, avançons. Alors ensuite, eh ben, toujours pour rester sur le, ce même sujet, donc de Geneviève leguet le jeu est facile hein, vu qu'ils savent que c'est faux. Après, ça devient trop facile. Donc Macron critique la manifestante comme avait fait Castaner avec euh, Jérôme Rodrigue. C'est trop facile. Alors, cette information, euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre Oui, alors là, je vais aller euh, le plus rapidement possible sur plusieurs infos. Sachez qu'un homme cagoulé euh, et menaçant, entre guillemets, hein, a euh, été maîtrisé par trois passagers euh, dans un TGV faisant la liaison entre eux. Paris et Brest cet après-midi. Donc le suspect est interpellé. Euh, je voulais vous montrer. Alors plein d'autres sujets, on va, je vais vous les montrer, on va aller vite. Alors hop, on va parler donc d'autres acteurs du système, carrément qui sont à la, à la tête de l'État en tant que ministre. C'est leur seul usage d'ailleurs ils servent euh, le système il crée des contrefeux des diversions pour occuper et remplir le champ médiatique et le champ des débats et des sujets pour que euh, on ne parle pas d'autre chose et particulièrement des vraies revendications des gilets jaunes allez-y sur mon groupe la vraie colère vous verrez euh, ça n'a rien à voir avec les groupes officiels qui carburent à 300 000 abonnés et peut-être plus c'est de la sincérité c'est de la vérité et d'ailleurs je laisse pas passer beaucoup de, de toutes les vidéos en live et de toutes les informations pour la plupart euh, des orchestrations des fakes des manipulations qui sont que tout le monde partage sans, euh, sans recul allez on va enchaîner les informations donc j'ai parlé de contrefeu des agents du système en tête de l'état à la tête de l'état officiel et donc voilà vous, vous la connaissez bien elle ne sert qu'à ça c'est son boulot créer le, des faux débats des contrefeux donc Marlène ce qu'il n'y a pas qui fait beaucoup trop de sorties conneries et d'annonces, euh, d'annonces vides. Donc elle juge Twitter trop agressif, bien entendu. Hein. Euh, il n'arrête pas de de se plaindre du peu d'extrêmement peu d'espace de, de liberté qui nous reste, et ça ne va pas rester longtemps. Et, euh, alors ça, pour Marlène, ce a pas, donc il crée des contre et on va regarder, toujours Marlène, ce a pas, dans une vidéo donc elle renchérit elle bien entendu euh, la soi-disant euh, ministre de l'égalité femme femme et eh bien elle défend encore macron euh, contre la Manifestante, donc le gay qui a été blessé à Nice. Et donc, c'est trop facile, encore une fois, vu que c'est leur agent, cette femme. Le message, elle dit Le message du président est un message de bon sens que chacun connaît. Mais oui, mais oui, chacun connaît. Alors, on va regarder la courte vidéo. Simplement, un message de bon sens. simplement un message de bon sens que chacune et chacun connaît. Quand il y a une manifestation avec des risques de violence et de dérapage que nous avons toutes et tous vus à la télévision ces dernières semaines, effectivement, le bon sens est quand on est dans une situation particulière comme ça semble être le cas de ces dames de ne pas se rendre dans ce type de manifestation. Et le bon sens, euh, c'est que tu, te, tu ne te rendes pas compte dans les médias pour euh, toujours. Esquiver les vrais sujets et euh, neutraliser la liberté de parole. Euh, donc, euh, voilà, une autre manipulatrice, une autre agente du système, eh bien, j'ai nommé Christine Angot. Eh bien, Christine Angot aussi se plaint d'injures à caractère racial. Je vous rappelle que euh, Marlène Schiappa s'était plainte de tags contre elle. Et je vous rappelle que, et à chaque fois, on découvre que les protagonistes sont des personnes euh, d'un certain âge qui soient travaillent dans la politique ou qui sont assez, euh, je vais dire, insérés, et même euh, ils font partie de, des élites. Ce qui ne peut donner qu'une lecture, c'est que c'est euh, des francs maçons de la franc-maçonnerie elle-même, qui encore une fois fabrique ce type d'événements et les fake news. Voilà. Voilà avec quoi on occupe donc les forces de l'ordre avec des plaintes comme ça qui bien entendu n'aboutiront pas. les deux plaintes déjà déposées, ça fait trois. Deux plaintes avaient été déposées le jour même par l'établissement. De coopération culturelle EPCC Seine du Golfe qui gère le palais des arts de Vannes et par le maire de cette ville, tant qu'à faire, lui il en fait deux, David Robot. Il le porte bien son nom. Hein. Ces... Ces gens sont totalement dénués d'émotions et de de sentiments humains. Donc il dit, bien entendu, la phrase bateau type La haine n'a jamais eu sa place à Van et ne l'aura jamais. Voilà. Euh, donc, comme vous le savez, il y a eu le passage du euh, président chinois et euh, on lui a fait trop plaisir avec euh, Hélène de... Hélène et les garçons. Super. Et pas que, pas que. Un autre manipulateur. J'ai nommé Alain Delan. Et bien entendu, il faut en rajouter pour créer l'actualité et pour donner du grain à moudre à au merdia du système comme là le quotidien que beaucoup d'entre vous aiment regarder si vous saviez seulement que c'est juste du cinéma, comme ceux qui croient en merdiapartes qui sont incapables d'enquêter sur l'attentat de Strasbourg ou sur la franc-maçonnerie ou sur la corruption généralisée euh, des magistrats et plein d'autres thèmes la pédocriminalité des élites. On va écouter ce qu'il dit. Emmanuel Macron reçoit Xi Jinping le président chinois, il arrive à 20h mais juste avant Emmanuel Macron reçoit Xi Jinping le président chinois, il arrive à 20h mais juste avant il y a les invités qui arrivent, tout à l'heure on a vu euh, Alain Delon qui a absolument insisté pour te parler, il s'est passé ça. <laughs> Chinois qui <laughs> Voilà, super. Ça fait une super image pour un super merdia. Et malheureusement, euh, beaucoup de nos concitoyens vont euh, plutôt euh, aller chercher de l'information dans ces... Dans ces désinformations, dans ces orchestrations, plutôt euh, que la vraie information délivrée par votre serviteur et par beaucoup d'autres. Ils vont la considérer, cette vraie information, comme étant du complotisme, du conspirationnisme. Mais sachez que les conspirations existent. Ils se moquent de vous lorsqu'ils vous font croire que les conspirations n'existent pas. Les complots existent. Penchez-vous sur l'histoire, penchez-vous de ce qui a déclenché la première guerre mondiale, qui a déclenché la deuxième guerre mondiale, qui a déclenché plein d'autres guerres, euh, y compris la guerre froide. Alors pour moi je considère que la guerre froide est la troisième guerre mondiale, et je considère que nous vivons depuis plusieurs années, et aujourd'hui ça s'accélère, la quatrième guerre mondiale, qui que j'appelle la guerre secrète, la guerre secrète des mer merdias et des services secrets. Et pas que et des sociétés secrètes et plein d'autres protagonistes, les oligarques, plein d'autres. Donc voilà, et, et, la masse va plutôt fuir les et la réalité. On préfère un mensonge, des mensonges rassurants, aux vérités dérangeantes. C'est connu, c'est le mensonge rassurant, c'est le petit doudou avec lequel on a grandi depuis notre enfance, qu'on a vu partout dans les merdias, partout à l'école, dans les pseudo-icônes culturelles, acteurs, chanteurs. C'est absolument total. Le True mancho est total alors, avançons. donc, euh, on reste donc sur le... l'information que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire christine Angot, la manipulatrice qui se plaint euh, des tags antisémites pour changer un peu des menaces de mort et donc son avocat Richard malka voilà. donc c'est le même presque le même article que tout à l'heure ensuite une information euh, internationale c'est le pauvre venezuela qui est euh, donc attaqué par l'OTAN et les services secrets pour créer la même boucle habituelle d'une pseudo euh, révolte du peuple, alors que ces pays euh, mêmes qui essayent de faire croire à cette fausse résistance donc de l'interne, eux-mêmes sont contestés dans l'enceinte en, même de leur territoire par les gilets jaunes. Euh, la méthode d'attaquer les infrastructures euh, de l'énergie est une méthode de guerre très courante qui a été utilisée avec succès, euh, que ce soit en libye ou surtout, surtout, surtout en serbie. l'otan a détruit toutes les infrastructures. Euh, fournissant de l'énergie en priorité et depuis le début c'est ce qui a fait euh, plier très rapidement donc euh, ce pays euh, attaqué souverain et attaqué pour de fausses causes donc le courant a été coupé dans plein de, grands, de grandes villes, de manière générale, presque dans tout le pays. Partout. Alors. En plus de la capitale, au moins 8 des 22 États abritant les principales villes de pays sont touchées. Et là, vous avez une liste la ville de Barcelona, l'État. Dans Zoatgui, l'ouest, à Carabodo, Vargas, Barinas, Barquisimeto et Mérida dans les Andes, jusqu'à la frontière colombienne dans l'état de Tachira. Dans d'autres localités, dans Maracaibo, la capitale pétrolière de l'état de Zulia, les internautes. Signaler un courant instable, une lumière qui vaille bien. Bon, quand vous coupez le courant, bien entendu, euh, vous coupez le sifflet à, euh, aux réseaux sociaux et donc à la dissidence sur Internet. Alors, ensuite, une information euh, légère Apple euh, arrive et concurrence directement, frontalement Netflix avec donc Apple TV plus euh, voilà ensuite je voulais vous montrer euh, encore une censure donc à mon égard c'est euh, un autre compte que j'ai sur Twitter et qui est euh, donc bloqué depuis euh, depuis hier. Voilà ce qu'ils ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est un article sur Christchurch. Donc ils veulent que je le supprime. Et si je le supprime, veuillez noter que le contenu sera remplacé par un avis indiquant que votre tweet n'est plus disponible. Et car il a enfreint les règles de Twitter, cet avis sera accessible euh, donc pendant 14 jours. Et si je fais ça, donc vous renoncez à faire appel au sujet de cette impression. C'est-à-dire que vous êtes coincé. Soit vous appuyez sur ce fameux bouton et vous débloquez la situation. Par contre, vous reconnaissez que vous avez fait le mal. Et vous êtes puni de diverses manières. Soit, bah, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez l'impression que votre compte a été bloqué par erreur, vous pouvez faire appel en contactant notre équipe d'assistance ici. Et ça donne ici, faire appel de la suspension ou du verrouillage d'un compte. Et bah, je vais le remplir en direct devant vous. Maintenant, moi, je ne me prends plus la tête. Euh, alors, le thème qu'avez-vous rencontré où avez-vous rencontré ce problème Donc, euh, bon, on va choisir au hasard parce que moi, je suis partout. Euh, on va dire Twitter pour Android. Description du problème moi, je me prends plus la tête, je sers, je sors plus les grands articles et les, et les grandes phrases. Euh, je mets n'importe quoi. passa innocent innocent n'importe quoi non complet midi avoir Nom d'utilisateur, ça c'est déjà rempli. Votre email, voilà. Numéro de téléphone, on va s'en passer. Continuez. Alors, la page a peut-être expiré. Non, ça va. Alors, je ne suis pas un robot. Surtout pas moi. Hein. Les passages pour les piétons voilà il n'y en a plus bon bah ben, ils savent que je suis pas un robot et voilà merci votre demande a été transmise à twitter nous répondons habituellement sous quelques jours mais Certaines questions prennent parfois du plus de temps, mais bien entendu. Voilà. Alors, je voulais vous montrer. Euh, voilà. Pour rester aussi sur le même thème, je voulais vous montrer ceux qui savent pas encore les dangers et ce à quoi est arrivé donc l'intelligence artificielle ça dépasse l'entendement ça dépasse l'entendement et ben regardez regardez que même, mais là c'est des informations qui sortent donc ça doit, euh, ça doit être euh, largement euh, euh, largement ancien comme avancé regardez euh, eh bien l'intelligence artificielle arrive à voir les couleurs donc on vous explique comment c'est identifié voilà comment nous voyons les choses voilà comment l'intelligence artificielle identifie donc la voiture rouge tout au fond. la voiture orange, à chaque fois qu'on lui demande, elle arrive à l'identifier. et la voiture bleue, de la même manière dans une photo complexe, elle arrive à identifier le vêtement rouge, le vêtement euh, guerre, euh, vert clair, et euh, le vêtement bleu. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est juste pour vous donner une idée, les personnes qui ne sont pas assez informées sur le sujet, sachez que l'intelligence artificielle avec les caméras euh, de surveillance publique est arrivée à identifier des, euh, des, des hommes recherché depuis longtemps, parfois même depuis 40 ans, et qui, euh, qui s'était planqué euh, un peu partout dans le monde. Donc l'intelligence artificielle arrive à imaginer les personnes donc vieillies et arrive à les, identi les identifier même 40 ans après. Alors que, que dire de vous euh, que l'intelligence artificielle euh, connaît parfaitement et qu'elle pourra vous identifier peu importe lorsque, là où vous vous euh, cacherez, là où vous vous renderez. Alors, là, je ne vois pas très bien depuis tout à l'heure si je suis connecté ou pas. Je vais euh, vous saluer les amis. Je vais vous saluer. Et vous rappeler. Allez, je vous salue. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux euh... Tiens, il y a Broly de, sur YouTube, sur ma chaîne de secours. Bonsoir Broly. Allez, bonsoir et bonne nuit à Max Mundog, mon ami. Vive le peuple, mon ami marion mon ami. Euh, Audrey Casanova, que je ne connais pas bien. Joachim Geronimo Lario, mon ami. Euh, tu dis il euh, y a des bugs sur Facebook. J'ai pas eu l'impression, mais quand bien même, euh, tu sais que je mets le live enregistré dès que je coupe sur mon YouTube officiel. Et donc vous pouvez le retrouver euh, comme tous les jours. Euh, voilà, Audrey Casanova, elle dit que pour elle tout va bien, c'est ce qui me semblait. Euh, bonsoir aussi à Philippe Rousset sur VK. VK, c'est le Facebook russe, je vous invite à aller y créer un compte si vous ne l'avez pas déjà fait. Bonsoir à Diloulou, ah, bonsoir Rafik Toumi, bonsoir Garcia José. Euh, bonsoir Kayol Schicks Bonsoir Asia Marie, bonsoir Tony Light, bonsoir Catherine de Barge, Bonsoir Marianne France, bonsoir Edwood. Oui, ça a tout l'air d'être une fausse manifestante, cette histoire elle pue. Euh, « Bonsoir... Non, je vais pas te saluer. T'as l'air d'être un troll. Euh, bonsoir, Richard Debré. C'était pas l'objet ce soir de, de faire une analyse complète sur la femme de Nice. Tu me demandes la vidéo entière. Bien entendu que je, que je l'ai, mais ce, ce n'est pas l'objet ce soir de, de, de lui consacrer une démonstration. » Avec les éléments qui sortent déjà, c'est entre guillemets c'est assez suffisant. Bonsoir Francis Ch. Euh, bonsoir. Eddy Le Tuyé. Alors je vais pas m'étaler sur ta question, qu'est-ce qu'il veut au final? Il y a plusieurs objectifs. Hein. J'ai donné une analyse au, au début euh, de, cette, euh, de ce live. C'est un sujet vaste et là j'ai... Voilà j'arrive à la fin, je coupe. Euh, bonsoir Alam. Bonsoir Stivo Bacon. Bonsoir. Eh bien Broly, moi aussi je te souhaite une bonne soirée. Tiens, nous avons une autre personne sur mon compte de secours YouTube. michael Deverin. Bonsoir. Euh, Richard, tu me demandes beaucoup de choses là. Il faut que je t'envoie la vidéo. Quelqu'un de bonne volonté qui, qui m'aura entendu, qui t'aura lu, te l'enverra. Tu comprends bien que je croule sur, sous le boulot que je fais bénévolement et sous les diverses sollicitations. Je ne pourrai pas, comme ça, euh, faire une réponse ou, ou rendre des, des, des services à chacun. Euh, alors, revenons ici. Très bien. Vous aiderez, vous enverrez la vidéo à Richard Debré. Ça lui rendra service. Euh, je vous rappelle avant de couper, en plus des samedis jaunes, les amis, les minutes jaunes, et la minute jeune, le 13h jeune, euh, plutôt le 13h jaune consiste à... Euh, sortir son gilet jaune de son sac à main, de son cartable, de son de la poche de son manteau, peu importe, tous les jours sans exception à 13 heures pétantes de le mettre pendant une, une minute, ensuite de l'enlever, de l'oranger, le vous euh, passerez le message à plein d'autres personnes et vous donnerez de, du courage à plein d'autres personnes et vous servirez la cause, vous servirez la révolution. Vous serez gaulois parmi les Gaulois. Je vous rappelle que c'est la révolte des esclaves contre Spartacus, comme la boucle, l'ancienne boucle de l'empire, de la lutte contre l'empire romain, l'empire romain qui a étranglé une toute petite poche de résistance euh, qui était les Gaulois. Euh, donc, je suis gaulois. Et vous aussi, vous pouvez être gaulois. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve bien entendu comme d'habitude demain.